Je ne pouvais pas planter l'équipe. Je me suis bourré de Doliprane pour masquer la fièvre et j'ai fait l'émission au radar. Miraculeusement, cela ne s'est pas vu. J'ai fait des analyses et j'ai su très vite que j'avais à nouveau une endocardite infectieuse de la valve mitrale. La même chose que la dernière fois. Certaines nuits, j'étais tellement KO que je me disais que je ne referais jamais surface. J'étais une ombre, un fantôme. Je ne pouvais pas faire 2 mètres à pied. J'ai mis 2 mois avant de pouvoir reprendre une douche. Je ne mangeais plus, j'ai perdu 10 kilos. Il m'appelle l'extraterrestre, Terminator ou le survivant. Tous ceux qui ont vu mon dossier médical ont dit, il est sorti de ça vivant. Et sans séquelles, ça n'existe pas. C'est rarissime, les médecins n'en revenaient pas. Sans ma famille, je ne sais pas si j'aurais tenu. Ils ont été formidables. Après ce qui m'est arrivé, je pense que je vais vivre encore longtemps. Je dis ça à ceux qui se demandent quand je céderai la place. Ils vont devoir attendre un peu.